Les gouvernements provinciaux du Haut-Katanga se déploient jour et nuit dans tous les 6 territoires pour améliorer les conditions sanitaires de toute la population et l'éducation des élèves. C'est dans ce cadre que l'autorité provinciale Jacques Kiabula-Katwe a dépêché cette semaine le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa-Kimimba dans les Sakania profonds avec des médicaments, des matelas et motos pour la zone de santé des Kakielo et celle de la mission Kipusha. Aux des internats notamment de Kakielo et de Kipusha, 200 sacs de farine, 40 sacs de riz, 20 sacs de sucre et des fournitures scolaires pour les élèves ont été remis aux responsables. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa-Kimimba a payé les salaires des enseignants du secondaire de l'internat de Kakielo pour toute l'année scolaire 2022-2023 afin d'encourager les parents qui se soucient de l'instruction de leurs enfants. Et à Kipusha, 9 enseignants non mécanisés ont été pris en charge pour toute l'année scolaire. Nous avons trouvé le problème des professeurs qui s'adonnent corps et âme pour donner de l'instruction et de l'éducation à ces enfants, mais malheureusement qu'ils ne sont pas mécanisés, qu'ils ne sont pas payés. Alors, nous avons estimé résoudre les problèmes de paiement avant qu'ils soient mécanisés. Le gouvernement provincial prend en charge pendant une année scolaire. Les bénéficiaires n'ont pas cessé de louer l'altruisme du donateur. Cet internat qui est loin, même loin de la ville, c'est pratiquement au fin fond de la République démocratique du Congo. Se souvenir de cette jeunesse pauvre et presque abandonnée, c'est un acte très généreux, très charitable et louable. Il a pensé au centre de santé pour tous les malades. Il a pensé aussi à la mobilité des agents. Il a pensé à l'internat et il a donné les vivres. Il a donné aussi de quoi se couvrir les enfants. Il a donné des matelas. Même les malades, ils ont sur quoi dormir maintenant, toute quiétude. Les délégués de Jacques Kiabula-Katwe dans cette partie de la province en a profité pour appeler les tuteurs à la prise de conscience afin d'envoyer les enfants à l'école car ils constituent l'avenir radieux de la nation congolaise.